Vite, vite, allez sur Epic Store, il y a GTA 5 gratuit pour ceux qui l'ont pas. Allez hop, on se dépêche. Ah oui, aussi, une autre petite astuce par rapport au TeamSpeak. Moi, ça m'arrive tout le temps quand je me connecte au serveur. Je suis dans l'accueil ici, et quand je me connecte, ça me déplace pas en fait dans le canal in-game. Du coup, une fois que vous êtes en jeu, que vous êtes connecté, vous allez dans Outils, Options, Compléments, vous allez sur le Salty Chat, et vous cliquez sur Recharger. Et là, ça va vous déplacer. Vous allez voir le troll qu'on m'a proposé. Le mec, c'est un génie. Il a une imagination de ouf. Le mec, ça se voit, c'est un créatif, quoi, vous allez voir. À mon avis, il adore rire et la création, lui. Attention, je vous montre le troll. Vous êtes prêts ? BG qui propose fait le gangster qui se trompe de gang parce qu'il est daltonien. Ça va se terminer à l'hôpital cette histoire. Voilà, je me mets comme ça en apparence familise. Salut mon pote, c'est bon, je suis de retour au quartier, ça va? T'es pas balasse toi? Balasse? Ah, vagos. Bah si, je suis vagos. T'es sûr? Bah regarde-moi, ça se voit pas, je suis jaune. T'es ouf toi, t'as trop bu de bière là? Ah, c'est vrai que je suis un peu bourré parce que je mets des whisky dans mes canettes, mais bon. Mais il est où le chef? Bah moi je fais partie d'un des chefs en fait, on est. Bah j'étais avec le chef quand on l'a créé, les vagos. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais bon, toi t'es pas habillé comme le ticard, quoi. Ah si, bah après j'ai un petit problème, man, je suis daltonien, mais faut me dire si je me suis trompé. Bah, le jean, il est pas très vert, ou quoi? Le jean, il est pas très vert? Ouais. De toute façon, faut pas que ce soit vert, faut que je sois jaune. Ouais, jaune. Putain, le mec, il s'embrouille, il dit balasse, vert. Ouais, vous avez des problèmes, vous. Par contre, attends, c'est qui, lui? Bonjour. Bonjour. Ouais, tu fais quoi dans notre quartier, toi? Pardon, désolé, excusez-moi, vous avez pas un pistolet? Bah, t'as cru quoi? Tu t'es cru chez Tati ou quoi? Mais je sais pas. Non, je suis désolé, mais bon, je cherchais une arme depuis tout à l'heure, je suis allé voir tous les gangsters de la ville. Personne, nobody. Moi j'ai une arme si tu veux, j'ai une grosse matraque. Mais non, bah donne. Tu penses qu'il parle de sa matraque quoi, ça. Bah c'est voilà. Pas grave, ça m'intéresse. Hein. Quoi? Oh putain. Ah, pardon, quoi? Non, c'est ton pote lui, c'est ça? C'est ton petit copain? Non. Regarde, il a un t-shirt jaune. Mais c'est noir. Non, c'est pas jaune, c'est jaune vert un peu. Il a une moto jaune en plus. Mais c'est pas jaune. Sa moto, elle est vite. Elle est jaune. Elle est rouge, ma moto. Ouais, j'ai un petit problème de colère, moi. Un petit. Et personne voit une arme là. Y'a pas un de vos collègues qui. Ah, on n'a pas d'arme, nous. Ok. Bon, bah, bonne journée, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Comment ça, c'est ça? La prochaine fois que tu reviens chez les Ballas, t'inquiète pas, on va t'accueillir. Pourquoi, c'est ton quartier? Bah ouais, c'est les Ballas ici. Et toi, tu fais partie des Ballas? Bah ouais, ça se voit, regarde. Mais quoi, regarde ma tu colère. Fais partie des Ballas? Bah regarde-moi, je suis jaune. Bah non, c'est pas. Je pense qu'il y a un gros problème de daltonisme là. Attends, t'as dit Ballas là? Ah oui, il a dit Ballas. Ah bah ouais, on est Ballas. Ballas, nous, c'est ça? On est Vagos. Oh merde, ça veut dire que t'es mon ennemi? Ah oui. Tiens. Je t'aide. Allez hop, ça dégage. Faut pas sortir le mot balas. Encore enchanté d'avoir fait affaire avec vous, monsieur. Balas, c'est le démon. Balas, c'est pas bien. Vagos gang. Ouais, Vagos gang. Ouais, Vagos gang. On va attendre le MS là. Faut mieux pas qu'il me soigne, hein, parce que je vais tous vous niquer. Quoi? Ça va partir, hein. Moi je veux qu'il soigne juste pour qu'on le renique. Ouais, on est 2 contre 1. Tu vas mourir, toi. Ok, 1 pour chaque bras, pas de problème. En attendant qu'il arrive, le médecin a fait ton testament. Attends, je vais aller me chercher d'autres bières parce qu'il a fait tomber mon chapeau, lui. Et il va t'acheter des cordes vocales, enculé. Tu vas mourir si tu fais tomber ma bière. Mais je crois qu'il est déjà mort, là. Ouais, il est déjà mort, mais bon, quand il va être remis avec le MS. Il va remourir. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va voir, ouais. Toi, t'es mort, tu parles pas, chute. J'ai pas parlé? Si. Non? Et t'as des preuves que je parle? Oui, je rec. Allez hop, ça part. Allez hop. Ah non, fais pas une plainte! C'est bon, j'appelle un mieux. Allez hop. Joue une personne qui prétend avoir extrêmement mal, qu'il va mourir. Bref, tu m'as compris, fais-en des tonnes, pour que tout le monde s'inquiète pour toi et tu dis au dernier moment ce que tu as. Genre, tu t'es cogné le petit doigt de pied contre une chaise. Ok, je vois. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez m'amener à l'hôpital? Pas de problème, montez, monsieur. Je me vide de mon sang, je vais mourir. Je me dépêche. Il a un turbo, vous avez un nitro là-dessus? Ah ouais, c'est pratique. Ah oui, c'est Patrick. Vite, docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mourir, vite, faut vite m'hospitaliser. Bouge ton cul, il va mourir. Ah mais bougez-vous, il est en train de se vider de son sang, vous voyez pas là? Mais putain, c'est grave d'être incompétent comme ça. Je vais mourir. Aïe, monsieur, il faudrait penser à s'habiller. Je me balade dans le pays.
c'est qu'elle a mis ça. Mais qu'est-ce que... Mais ce matin, en m'échauffant, je me suis claqué une boule. Claqué une boule et c'est pour ça que vous saignez. Ouais, j'ai mal, je vais mourir. Et claquer une boule, c'est pas ça qui vous a fait saigner? Ça a pas l'air très grave non plus. Non, pour me soigner, faudrait me faire un petit massage. Vous savez où? Je vais vous chercher la masseuse. Vous allez voir, vous l'avez aimé. Je vous laisse accepter. 90 ans qu'elle est là, 90 kilos. Parfait. Parfait, ça vous va? Je vous la cherche. Bon, bah la masseuse, elle est pas là, c'est moi qui vais m'occuper de vous. On vous a dit ce qu'il faut faire? Ah ouais, vous inquiétez pas, j'ai habilité à faire tout ce qu'il y a à faire. On va passer à l'épilation, non? Non, non, allez-y, palpez direct. Ah, non, bah non, normalement, faut tout épiler. Hein. Ah, bah ça va mieux d'un coup alors. Ah, du coup, vous avez moins mal. Ah, c'est bien ce qui me semblait, que le claquement de boule, ça passait assez rapidement, il paraît. Quoi? Ah, j'ai dit que le claquement de boule, il paraît que ça disparaissait assez rapidement, alors. Bah, le problème, c'est que comme j'en ai eu une pétée, maintenant, quand je marche, bah, je tourne en rond comme ça. Hey, Cooper. Ça me fait pencher. Cooper, te fais pas péter le cul. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah, il va falloir sautiller sur place. Sinon, il y aurait pas moyen de me mettre une petite prothèse? Ah non, non. Prothèse, c'est quand vous en avez plus. Mais il n'en reste qu'une, et ça me fait pencher. Mais regardez, j'arrive pas à avancer tout droit, ça me fait pencher. Ah non, vous faites 2-3 sautillants sur vous-même, et ça devrait passer, hein, vous inquiétez pas. Vous avez une jolie queue, en tout cas. Ouais, c'est vraiment, on me l'a dit souvent. Super Théo! Alors c'est très simple, va au commissariat, descends en bas sans rien dire à personne et pisse par terre. Si je termine pas en prison, là je suis balèze. On va changer d'apparence pour éviter de se faire spotter de trop facilement. C'est quoi votre... Robert. Moi c'est Babacar Badji. Blablacar? Non, monsieur, Babacar Badji. Ouais, je connais, c'est les trucs de covoiturage. Monsieur, on ne parle même plus, monsieur, vas-y. Tracez votre chemin, voilà. La démarche qu'il a, genre il est triste. Vous voulez que je vous dépose? Non, je suis triste là. Non, allez monsieur, c'est bon. On va discuter dans... Non, en fait, faudrait que j'aille au commissariat là. Bah, allez-y, je vous dépose. Ok, sur votre scooter là? Ouais, un scooter, ouais. Alors c'est Robert, c'est ça? Ouais, c'est Robert, ouais. Et vous, c'est Blablacar, ok? Non, non, monsieur, appelez-moi. Te bouge pas. Oh mon dieu. Ah non, tu bouges pas, tu bouges pas. Ah bon, ça Tu bouges pas. Le gros là. Le gros, tu descends. Qui est gros? Toi, tu descends. Je suis pas gros. Tu montes sur la montée pour la main, tu t'appelles. Et vous touchez pas, Robert. Je devais aller pisser au Comico, moi. T'inquiète, monsieur, voilà, t'inquiète. Au revoir, Blablacar. Monsieur, faut arrêter les macroutes, hein. Les macroutes? Les macroutes, parce que là, le moto, il descend. Ah non, je veux pas faire du kidnapping. Mais non, mais nous, c'est la hesse, monsieur. La hesse? Ouais, c'est la hesse. Monsieur, vous descendez du véhicule, vous levez les mains. Oui, je lève les mains. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, dégage? Mais monsieur, tu peux partir là, parce que... Eh, c'est Blablacar. Appelez-moi Blablacar. Monsieur. Il s'appelle Blablacar. Moi, il faut fabriquer des chaussures. Sur moi, j'ai 20 000 dollars. Attends, je passe 10 000. 10 000 dollars? Oui, 10 000 dollars. Comment je vais faire pour payer ma caution, moi, si je finis en taule? Vous m'amenez au Comico, top cool. Mais non. Prends le scooter du mec, là, prends le scooter. Ok. L'autre reste avec nous, il m'a insulté. Toi, tu m'as insulté. Attends, voilà, bonne urine. Ah bah merci, hein. Eh, Blablacar, on se revoit bientôt, hein. Pourquoi vous venez avec moi, monsieur? Non, mais t'inquiète. Vous pouvez pas venir dans les... Ça passe, en plus, il baisse la tête quand il marche. D'accord. Et je le passe où? Parce que j'ai pas vu de l'école. Oui. À la ville. Je crois qu'il a un problème, le monsieur, là. D'accord. Monsieur. Je vais pas parler. Monsieur, veuillez sortir. C'est pas bien, là, ça se voit, monsieur. Non, mais attendez, monsieur, juste une petite seconde. Monsieur. Attendez, ça urge. Monsieur, vous allez pas bien. Je vais juste là. Monsieur. Juste là. Dernière sommation, s'il vous plaît. Attendez, je remonte ma braguette. Oui. Excusez-moi, monsieur. Bavure. Bah, je me suis fait taser pour lui en plus. Oh, j'ai encore envie. Monsieur, mais là, c'est pas fait. Oula, monsieur. Vous êtes placé en état. Arrêtez, j'ai pas le temps de m'essuyer. Monsieur, nous sommes le vendredi 15 mai, il est 15h51. Je vous donnerai du papier. En fait, j'ai fait un pari avec un ami, je devais venir faire mes besoins dans le commissariat. Ah, bah votre ami est très con quand vous arrivez avec son. En même temps, ils sont abonnés à une chaîne de cons. Hein. Vous pouvez baisser les mains. Hein. Non, parce qu'en fait, j'ai chaud sous les aisselles, c'est pour aérer un peu. Ah oui, bon. Je vais porter plainte. Mais c'est faux. C'est quoi ce bordel? Je me suis fait taser pour rien. En gros, les deux personnes. À déféquer dans le comico. Vraiment déféquer? Oui. Vous m'expliquez pourquoi vous avez déféqué dans un commissariat? Vous avez pas un peu de moltanel? Qu'est-ce qu'il a dit? Un peu de moltanel? Non, j'en ai pas. Non, mais moi, il y en a dans le placard. Je vais pas qu'il y a un Kleenex ou qu'il y a quelque chose? Monsieur? Mais il y en a dans le placard. Je vais aller voir. Et du coup, c'est vous qui vous êtes fait taiser pour rien, c'est ça? Oui, pas à cause de ce monsieur dans la cellule. Moi, sinon, attendez, je le fais avec la main. Non. Oh putain, il y en a partout! Monsieur. Ah, super. D'accord. Merci. Ah, d'ailleurs, cette personne là, juste là, elle m'a braqué juste avant en fait. Ah! Et ils m'ont pris 10 000 dollars. Venez, on va parler avec moi là. Venez. C'est faux! Viens, on va parler. Je t'aurai! Regardez, il a un look de braqueur! Quand
Il a fait du kidnapping sur ma personne et sans mon consentement. Tout ça parce que je suis chinois. Non mais. Tiens. Pourquoi vous l'avez tasé, bordel de merde? Parce qu'il mérite, c'est qu'un connard. Ça fait trois fois. Allez, on met la petite laisse et on y va. Monsieur, je suis hypertensif. Oui, mais c'est pas grave, on vous emmène. Hyper quoi? Hyper trans. Hypertensif, ça se dit pas. Mais oh, ça se dit pas du tout. Vous avez besoin d'autre chose, monsieur? À part du papier toilette. Vous auriez pas du désodorisant? Ouais, si, je dois avoir ça parce que c'est vrai. Je vais voir dans mon casier, j'ai du déo. Mais il y en a dans un placard, mais oh, il va vraiment falloir apprendre à trouver les affaires dans les placards. Hein. Là-dedans, t'as tout. On a fait une commande il y a pas longtemps. Justement pour parer à ce genre de problème, tenez. Non, mais c'était pour vous en fait. D'accord. Ah. Je pense que je vais aller chercher le déo alors. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup bossé, vous. Hein. Vous avez sué ce matin un peu, non? Donc, vous avez besoin d'autre chose à part ça? Oui, bah j'aimerais sortir maintenant. Ah, ça on peut pas par contre. Excusez-moi, il est policier le Bogdanov là-bas? Oui, c'est le commissaire. Ah. Le Bogdanov, mais encore. Je crois qu'il parlait de moi. Tant mieux, ça va alors. Ah, j'ai eu peur aussi. Bah, vous voyez, j'ai eu peur que c'était moi, mais en fait, c'est bah, oui, donc c'est ça pas. Va mieux. Bah, tiens, Bouli, allez me chercher le karcher. Ok. Non, vous voulez me karcheriser le trou de balle? Non, pour la cellule après vous. Ah, attendez, je vais me mettre en position. Non, c'est pas vous. Et on n'est pas dans une thalassothérapie, hein. On va se calmer. Hein. Allez-y, vous pouvez y aller, sortez le karcher. Ah, oh, je peux pas voir ça, c'est atroce. Non, c'est bon, allez. Le karcher. Le ka. Ouais, on fait pas attention à ça, hein. Hey, monsieur, allez hop, sortez le karcher. Non. On a pas de karcher, on a un karcher. Non, au pire, vous mets attentat à la pudeur. Ouais, attentat à la pudeur. Ouais. Attentat à la pudeur. Non, pas attentat, atteinte. Atteinte, pardon. Ouais, c'est... J'ai pas fait d'attentat. Bon, allez, faites plus au casier, vous me faites sortir là. Bon, allez, je vous laisse, moi j'ai un rendez-vous. Ouais, c'est ça, ouais. Bon courage. Le Bogdanov, vous parlez de qui réellement? De lui ou de notre? Non, le blond, regardez bien la tête de votre collègue. Il a un menton, laisse tomber. Regardez son menton. Parfait. Voilà. Montrez pour vous, monsieur, on va prendre les empreintes. Monsieur, je me suis pris une grenade. Regardez son menton, on dirait une paire de couilles. Je suis désolé. Dès que c'est fait, vous m'envoyez un SMS, d'accord? Vous prenez qu'il est sorti. Je vais encore voir des putes, celui-là. Okay. Non, je vais à la mairie, non. Okay. Après, si vous considérez les citoyens comme des putes, c'est à vous de voir. On sait qui traîne à la mairie, hein. Ah bon, et qui traîne à la mairie? Moi, j'y suis passé, hein. Je les ai vus, hein, les employés là-bas. Mais y a pas d'employés. Oui, c'est pour ça. D'accord. Allez, bonne soirée, hein. Et bonne soirée, monsieur. SMS quand il est sorti, hein. J'ai pas votre numéro, hein. C'est pas grave, moi je l'ai. Il m'a invité au barbecue la dernière fois. Ah, ça fait des petits barbecues entre policiers. Oui, bon, ça c'est fini mal, mais bon, bref. Qui a enfilé qui? Personne. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, je vais m'absenter 2 minutes. Absente-toi 2 minutes, s'il te plaît. Alors, et donc, du coup, l'amende s'élève à 8 000 $. Si vous me laissez en garde à vue, je vous jure que je repeins les murs. J'ai envie de voir ça. Moi. C'est pas grave, c'est les cadets qui nettoient. Les gars, elle est où la centrale? C'est moi, mais c'est que je suis en train de m'occuper d'une personne qui a déféqué dans le comico, donc. Bah, Sanders, je m'occupe de l'autre personne. Hein. Ok. Mais faut que je parte en patrouille. En vous souhaitant une excellente journée, monsieur. Hein. Je pense qu'il est un peu vieux, aussi. Hein. Oh, arrête de me nier. Monsieur, vous me montrez. Ah, il y a Blablacar. Blablacar, il était avec moi, il s'est fait braquer lui aussi. Ah, mais eh Blablacar, faut que tu déposes une plainte là. Ouais, je voudrais porter plainte parce qu'il contredit. Elle est où la centrale là, monsieur, parce que... Alors c'était des gens très forts. En armure de super-héros noirs. En moto. D'accord. Et ils ont pris mon Robert en otage. Et du coup, moi je suis venu le sauver, mais ils m'ont aussi pris en otage. Et vous, qu'est-ce que vous êtes témoin, monsieur Robert? Oui, bah oui, ils m'ont pris 10 000 dollars. Ah ouais, d'accord. Je note la somme. Est-ce que vous pouvez tous les deux me montrer une carte d'identité, s'il vous plaît? Pas de souci. Prenez-le. Babacar. Ouais. Non, c'est lui qui s'appelle Blablacar. Non, c'est Babacar, c'est Babacar. Babacar, monsieur Robert, je vous prie de me donner une carte. Ah, merde, attendez, je me suis trompé de poche. Rangez ça, monsieur. Je me suis trompé de poche. Rangez ça, je tasais. On va vous mettre en cellule encore une fois pour exhibition si vous continuez. Il avait chié en bas, mais il a fini en cellule pour ça. Attendez, il a pissé en haut, il a chié en bas? Oui, il a fait partout. Ouais, c'est ça. Oh là là. Mais faut l'arrêter. Il a fait les cassons. Écoutez, j'étais déboussolé, je me suis fait braquer. Hein. Ouais, c'est pas une raison, monsieur. J'aimerais juste... On réagit tous de façon différente face au stress. Après, faut pas réagir dans le commissariat, en tout cas. Faudra faire attention, monsieur Stanley. Hein, demandez pas à vous faire caracherer les fesses. Pardon? Quoi? On est dit. Barthez, c'est quoi alors? C'est une longue histoire, on vous contactera et on chopera la personne et on lui fera payer une amende et vous aurez des dédommagements.
Super, monsieur l'argent. L'argent mais... L'argent, non, c'est oui. Monsieur l'argent. Il y a un peu obsédé par l'argent, ce monsieur, non ? Ça vous dérange pas que j'emprunte les toilettes juste à côté, là, une dernière commission ? Non, d'accord, je vais aller dehors, d'accord. Je comprends. Pas dehors. Dans la fleur, je peux, là ? Non. Bon, d'accord. Attendez, je retire ce qui reste. Je vais me barrer, c'est bon, il est en train de chier. Oh là, putain, il y en a partout là, j'en ai plein le jean. Oh, mais arrêtez un moment là. Eh, hey, Blablacar. Ouais. Regarde, c'est tout frais. Garez-la, vous. C'est tout frais. Oh, monsieur, attendez, prenez le scooter et partez, monsieur, parce que là. Ok, merci. Oh, je crois qu'il nous poursuit. Non, il poursuit aux fans, je crois. Tente de les semer, jamais j'y remonte. T'inquiète pas. Tu t'arrêtes pas. Je m'arrêterai jamais. Tiens, attends, je lui jette tes doigts dans le pare-brise. Ouais, bien joué ça. Arrêtez, oh non, il est derrière. C'est bon. Jamais. Jamais. J'en ai marre. Tiens. Arrêtez-vous, non, mais c'est bon, arrêtez-vous là, c'est bon. Descendez du véhicule. On est trop vieux pour mourir, je suis trop. Cours, Billy. Comment il court? Regarde la démarche. C'est crasse comme une daube. Jamais j'irai en tôle. Vous avez qu'à me tuer. Arrêtez, je viens de sortir de tôle. Bon, monsieur, par contre... Bah, tu viens retourner. Putain, je vois plus rien, je suis essoufflé. Mais sa mère, c'est une asthmatique.